De jouer parfois en tenant la raquette à deux mains, tu vois, pour faire des smashs. Oui. Bonjour Maximilian, comment vas-tu? Ça va. Alors toi, tu as 14 ans et tu fais quoi comme sport? Je fais du tennis et beaucoup de vélo. Tennis, tu fais combien de fois par semaine? Une heure par semaine. Tu penses à t'échauffer avant de jouer au tennis? Généralement, on fait 2-3 tours de terrain, enfin en courant, en faisant des pas chassés, etc. Ça, c'est bien. Et un peu moins d'échauffement au niveau du poignet, mais ça pose pas... Et justement, on va en parler de ça, le poignet. Ouais. Tu as un problème au poignet gauche. Oui, c'est ça. L'adolescence, il y a aussi une phase de croissance rapide. Et c'est une période de fragilité, car il peut y avoir des mises sous tension, des muscles, des tendons, des ligaments, qui peuvent provoquer des micro-arrachements ou des fractures de fatigue, par exemple, lors du sport. Moi, ce que je voulais voir, c'était tes poignets. Alors, tu vas d'abord me donner la main et tu vas serrer fort. Vas-y. Tu m'as dit que depuis un an, tu as un petit bruit qui apparaît à cet endroit-là. Fais-le plusieurs fois. Alors, c'est le pouce qui... Mmh. Tu vois? D'accord. Comme ça. C'est les os par rapport au métacarpe qu'on a ici qui font ce petit bruit qui probablement disparaîtra avec le temps. Un cas particulier, c'est les ados qui sont grands avant les autres. Et ce sont des enfants qui sont relativement performants. Sauf qu'à un moment donné, ils vont être attrapés par les autres. Et du coup, c'est là que ça peut devenir dangereux, car l'ado, dans ce cas-là, va vouloir faire encore plus que ce qu'il faisait déjà, prendre des risques pour ne pas se faire dépasser. Et du coup, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes osseux, des problèmes traumatiques qu'il faut anticiper. Si jamais un jour, en faisant du sport, tu as une douleur qui apparaît quelque part, il faut tout de suite en parler. Si ça passe, c'est bien. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre du paracétamol pour enlever la douleur. La douleur, elle veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et si tu prends, par exemple, un antidouleur, à l'entraînement suivant, comme il y a une fragilisation, ça va s'arracher. OK? Oui. Et dans certains cas, il faut suspendre un peu l'activité sportive pendant quelques temps, ou en tous les cas, ne pas forcer. Pas de questions? Non, pas non de questions. Ça me donne envie de me remettre au tennis. Docteur, ça concerne les ados, ce que vous dites essentiellement. Oui, alors là, je parle des ados, mais évidemment, les pré-ados, parce que maintenant, on parle aussi des pré-ados. Quelque chose que je veux rappeler, c'est deux points importants. C'est, premièrement, le sport. Il faut faire du sport. On a souffert l'année dernière. Hein, on ne pouvait pas faire de sport pour les enfants, donc faisons du sport. Deux, l'ado est en phase de croissance rapide. Je crois que j'en parlais dans le reportage. La croissance rapide, il y a deux phases dans la croissance chez un enfant. Il y a les quatre premières années où le corps grandit vite, prudence, l'alimentation, la vitamine D, tout ça. Puis ça se ralentit après et ça reprend vers l'âge de 10 ans, 11 ans chez les garçons, 12 ans chez les filles. Il va y avoir un delta entre les filles et les garçons. Et donc, ces croissances rapides font qu'il y a une fragilité des os. D'accord. Et on connaît... il y a certaines maladies, comme par exemple la maladie d'Osgood-Schlatter, qui est une apophysose. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais apophysose, ça veut dire quoi? Vous allez une, oui, une apophysose. Combien d'Y, Agathe? Et en fait, le principe, c'est que l'ado veut faire beaucoup de sport, veut montrer qu'il est capable par rapport aux autres, il prend parfois des risques. Par exemple, celui qui est très grand avant les autres dans la classe, il est balèze par rapport aux autres, au basket ou autre, en gymnastique, mais après, les autres vont le rattraper. Et du coup, lui va vouloir donner encore plus parce qu'il voit que les autres le rattrapent. Et c'est là qu'il commence à prendre des risques. D'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi l'élément que je veux expliquer, c'est faire du sport, bien sûr, naturellement. Et s'il y a une douleur, où qu'elle soit, et c'est souvent au niveau du genou, ouais, ou au niveau d'une cheville, mais ça peut être aussi au niveau du coude, ne pas prendre du paracétamol comme ça, en disant, et comme ça, je sentirai pas ma douleur. Quand on fait du sport et qu'on a une douleur, on parle au médecin. Vous le dites très bien c'est dans le reportage. C'est un indice qui dit, attention, il peut y avoir une rupture musculaire, il peut y avoir un décrochement d'un bout d'os. Il faut s'arrêter avant, parce que sinon, il faut écouter son corps. Il faut écouter son corps à l'endroit où l'os grandit, ce qu'on appelle les métaphyses, sous le genou, les chevilles, mais il y a d'autres endroits. Et on consulte, et si besoin, on fera une radio et on donnera ce qu'il faut. Voilà. Bon, écoutez, moi, c'est noté, je note ça pour mes petits garçons qui sont ultra sportifs. Au Scrabble, c'est très bien, l'apophyso. Alors, apophyso. Non, mais là, il y a trop de lettres, l'apophyso. C'est plus un Scrabble, là. C'est le Scrabble allemand. C'est le truc qui n'en finit pas. Merci beaucoup, docteur Förser.